Salut à toutes et à tous, Six là, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment super bien, les amis. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de la H3ZK Clan avec tout simplement un superbe gameplay, puisqu'il s'agira tout simplement du nucléaire 51 Gun Streak, donc la double équivalente et fail à 9. Et dans la même game, il va réaliser une autre nucléaire en 160 secondes à la HVK30 sur la map Stronghold, la map où il neige en fait. Donc une map très très stylée que j'aime bien moi. Ouais, franchement elle est pas mal. Et donc aujourd'hui ce massacre, on va tenter de l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires, notamment Code QG et Code CF. On les remercie vraiment s'ils nous upload, ça nous permettrait vraiment de nous développer. Donc aujourd'hui, avec ce magnifique gameplay en fond, je vais faire un débat, ouvrir un sondage en quelque sorte. La question étant: quel est votre type de map préféré? Je parle sur Call of Duty bien évidemment, car on est sur une chaîne de Call of Duty, ça me semble logique. Donc dites-moi vraiment votre avis dans l'espace commentaire, je lirai bien évidemment tous les commentaires de la vidéo, voilà. Dites-moi vraiment votre genre de map, votre type de map préféré. Moi sur cette vidéo, je donnerai mon avis. Donc il me semble que ce sujet n'a jamais été fait sur YouTube. À la limite, votre map préférée, peut-être que ce sujet a déjà été fait. Mais aujourd'hui, je ne vous demande pas de me dire votre map préférée, mais bien, comme j'ai dit dans la question, de me dire votre genre, votre type de map préférée. Alors quand je vous dis ça, qu'est-ce que je veux entendre par là? Est-ce que vous aimez les maps grandes, enfin les maps immenses, comme on a eu sur Ghost, avec la map Stonehaven qui était vraiment immense? Donc pour moi, les maps immenses comme celle-ci, qui était sans doute pour moi la plus grande map des Call of Duty, de tout Call of Duty, et bah ces maps, elles sont faites pour moi. Je dis bien pour moi. En général, elles sont faites vraiment pour le sniper, pour pour scoper avec le sniper, faire des duels, enfin bref. Enfin pour moi, ça me semble logique, parce qu'on va pas jouer non plus aux pompes, aux fusils à pompe ou bien à la SMG sur des maps immenses comme Stonehaven. Non, voilà, c'est pas trop le délire. À la limite, jouer à l'AR, ça peut être possible, mais il faut gérer les déplacements, etc., etc. Mais pour moi, je dis vraiment pour moi, ces maps sont faites pour jouer au sniper. Ensuite, comme autre type de map, y a les maps moyennes, on va dire, ouais, les maps à la Black Ops 2, où tu peux vraiment tout faire. Il y a des maps qui sont moyennes, c'est-à-dire où tu peux jouer à l'AR, à l'SMG et parfois au sniper. Donc je pense à des maps comme Slums, Raid, Standoff, hein, plein de maps en fait, où tu peux jouer à la SMG, à l'AR et au sniper. Donc généralement c'est ces maps qui plaisent beaucoup à la communauté, pour la simple et bonne raison que tous les joueurs, c'est-à-dire les joueurs sniper, les joueurs qui aiment jouer à l'AR, donc au fusil d'assaut, et les joueurs qui aiment rusher avec la petite SMG, la petite mitraillette. Donc vraiment tous les joueurs s'y plaisent, voilà, ils peuvent vraiment jouer à leur guise. C'est-à-dire qu'il y a quelques tops, il y a des bâtiments où tu peux scoper, etc., etc., des petits couloirs où t'as du passage, enfin bref, voilà, là où tu peux jouer à la R, à l'SMG, enfin bref. Donc généralement c'est des maps où beaucoup beaucoup de personnes y prennent du plaisir et vont même parfois jusqu'à demander de les remettre sur certains Call of Duty. Et ensuite il y a les petites maps telles que Nuketown, qui est sur Black Ops 1, Black Ops 2 ainsi que Black Ops 3. Je pense également à la map Cargaison de Call of Duty 4, la map DLC aussi de Call of Duty Black Ops 2, qui me semble qui s'appelle Rush, la map Rust aussi de MW2. Donc vraiment toutes ces maps sont faites pour rusher, pour faire vraiment beaucoup beaucoup de kills. Donc c'est d'ailleurs sur ces maps qu'il y a le plus de kills, sans vouloir me tromper. Enfin bref, je sais que dans la performance, pour réaliser des gros gros scores, il faut faire du Nuketown. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des maps où il faut jouer aux pompes, à la mitraillette, enfin bref, voilà, c'est vraiment des maps où tu peux faire vraiment un gros carnage si tu sais bien gérer. Donc des maps vraiment assez petites, où on va dire que le contact est favorisé. Donc les joueurs snipers, eux, c'est pas non plus trop leur truc, tout simplement parce que avec un sniper, on va dire que c'est assez dur face à un pompe, un fusil à pompe, ou bien à une mitraillette, à une SMG. C'est assez dur, donc ils aiment pas trop. Même s'il y en a qui aiment, ceux qui arrivent vraiment à se débrouiller en mettant des beaux quickscopes, etc., à enchaîner des beaux kills, eux à la limite ils peuvent aimer, tout simplement pour faire des belles kill feed, etc., etc. Mais pour commencer le sniper, enfin les snipers débutants, voilà, c'est même pas la peine. Sur des maps comme ça, ils vont juste se faire dégommer, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment trois types de maps, trois genres de maps sur Call of Duty. Dans l'espace commentaire, n'hésitez vraiment pas à me dire tout simplement si vous voyez d'autres genres de maps que j'aurais oublié. Voilà, moi j'ai vraiment, on va dire, regroupé plusieurs maps pour tout simplement faire un ensemble. Enfin bref, moi je vais vous donner mon avis. Alors déjà, faut savoir que je suis pas non plus hyper bon sur les Call of Duty, donc forcément je me débrouille pas au sniper. Enfin, je suis pas non plus un plo, mais je veux dire, quand on me met un sniper dans les mains en multi, voilà, je vais pas faire un grand score. Donc j'aime pas trop les maps grandes, etc., etc., où tu peux scoper.
On va dire vraiment, c'est pas trop trop mon délire le sniper et les grandes maps. On va dire ce que je préfère, c'est les moyennes maps où tu peux jouer avec l'AR, parce que simplement le fusil d'assaut, bah, c'est ce que je préfère, voilà. J'aime beaucoup, tu vois, les AK-47, les M16, etc., etc. Donc franchement, ça c'est mon délire. Ensuite, j'aime bien les petites maps également où tu peux faire d'assez bons scores quand tu sais bien gérer la SMG, la mitraillette ou bien le fusil à pompe. J'aime bien également. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je lirai bien évidemment tous les commentaires de la vidéo. Quel est votre type de map préféré? C'était la question. J'espère que ce sujet vous aura plu. J'espère que mon commentaire vous aura plu. J'espère que le gameplay en fond vous aura plu. C'est tout simplement un massacre qui nous a fait notre player. Donc en tout cas un gros GG à lui. Si on se fait upload sur Code QG, j'aimerais présenter la chaîne de la H3ZK Clan. Nous sommes tout simplement une team perf sur Call of Duty. Donc notre but étant de vous proposer le plus de gros gameplay, c'est-à-dire des doubles nucléaires, des triples nucléaires, des gros gunstreaks. Enfin, on est dans le monde de la performance, c'est notre délire quoi. Donc si vous voulez vraiment voir des gameplays comme celui-ci, eh bien allez voir la chaîne de l'H3ZK Clan qui sera normalement mise dans la description si vous nous voyez depuis une chaîne communautaire. Et si vous aimez ce style de commentaire, n'hésitez vraiment pas à aller voir ma chaîne également, qui j'espère sera mise dans la description. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. N'hésitez vraiment pas à répondre à la question qui est quand même assez importante à mes yeux. Merci de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, ciao !